Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve sur Black Light Retribution pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un petit build sur le pistolet mitrailleur. Build assez sympathique qui n'est utilisable qu'à faible distance. Parce que sinon, vous allez vous faire déboîter par les ennemis parce que cette arme n'a aucune. Hop, portée. Donc là on est sur métro, ça tombe bien. Hop, lui je l'ai eu. Bon, attendez. Là, sur métro ça va être compliqué par contre. Voilà, comme vous pouvez voir, dès que vous vous éloignez un tout petit peu, c'est... Ouais, ben... ça commence à être compliqué. Bon, sur métro, c'est sûr que la map est un tout petit peu petite. Hein. Donc ça prend dans le dos, ça spawn dans le dos, de toute façon ça ne fait que ça. Moi j'aime bien là. Sans métro, faut jamais activer sa vra en match à mort. Parce que sinon tu décèdes, voilà. Ah, il a activé sa vra. Ah oh, ouais, non mais si l'autre il rush pas aussi. On est 4 en train de se tirer dessus. Eh oui, c'est compliqué. Pourquoi je spawn ici? Là, il est avec son arc tranquille. Hop, je check. Voilà, comme je vous l'ai dit, cette arme... Ah oui. Un point de vie. Bon. dans cette situation, c'est assez compliqué. Là, on fait du combien? Du 15. 5. Bon. Là, et ouais, mais où il m'a fait spawn? Ouais, mais là, c'est... Oui, je m'enfuis. Allez, c'est la victoire. Bon, je me suis un petit peu aidé de l'arme secondaire sur la fin. Bon, parce que je pouvais plus recharger. Ah, on a gagné à un rien. Suffisait que le second fasse un kill et il passait devant nous. Bon, bonne petite première partie. Ça va, on a un petit peu enchaîné. Après, c'est sûr que c'est métro. Donc métro, dès que tu commences à mourir, bon bah... Voilà, c'est assez compliqué. Parce que ça spawn dans le dos, tout ça. Là, c'est bien parce qu'on est sur Hello Deck. Donc, allez, je vais vous montrer le build tout de suite. Donc, sur le pistolet mitrailleur, je me suis fait un petit build en mode énervé. Alors, le viseur, bon, c'est ce viseur-là. Pourquoi? Parce que je trouve plutôt pas mal. Parce que c'est une lunette ouverte. Voilà, j'ai pas voulu mettre des viseurs de précision parce que je me suis dit, allez, on va sortir un petit peu de l'ordinaire. Il y a tout le monde qui utilise... Ce viseur aussi. On se dit lui, voilà, il est plutôt bien en mode ça marche bien comme à la Call of ou sur les autres jeux. Là, j'ai mis le brillard accuracy barrel tout simplement parce que je le possédais, donc autant l'utiliser. Et là, j'ai mis le armcom balanced muzzle qui augmente de 1 dégât, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Donc ça me permet d'infliger 40 dégâts. Ensuite, il y a le chargeur grande capacité. Et une petite crosse qui réduit un petit peu toutes les stats. Build assez sympathique quand t'es à courte distance. D'accord, bon, dommage. Il lui restait plus de vie. Ouais. Oh non, le bug de l'écran noir. Attends, je vais essayer de faire des kills. Logiquement, je sais à petit peu près où je suis. Ouais, non, mais là, ça commence à devenir handicapant, non? Oh, dommage, j'étais sur lui. Enfin, je pense.
En tout cas, ouais, non, mais là, du retard, je peux te dire que j'en ai pris. J'en ai pris pas mal. Allez, ça vole mes kills. Je vais t'apprendre à voler mes kills. Eh oui, non, mais fallait pas me rusher. Oui, ça prend par derrière. Non, mais obligé. Et ouais, mais là, avec le bug de l'écran noir, j'ai pris en retard. Il y a un nombre de cadavres. Oh, c'est impressionnant. Non, non. Non, il m'a eu. Une seconde près, je le tue. Ah oui. Par contre, il a un petit peu de mal, non? Ok, l'autre s'est déconnecté. Et ouais, non, mais on peut pas faire de kill. Et oui, sauf que là, le problème, c'est que la mine n'est pas au bon emplacement. Ok, ça, c'est moi, l'autre. Ça, c'est cool. Ça. La partie va arrêter de bugger. Voilà. Le temps que tout le monde rejoigne. Voilà, hop, là ça va faire un kill. Non, même pas les... Je sais pas s'ils l'ont pas tué la mine ou quoi, mais... Avant, elle faisait des kills obligés. Mais non, la précision. Toujours hein, poser des... Voilà, des mines au point de spawn. Et ne jamais activer la VRA. Voilà. Ce que j'ai fait... Ah, mais vous avez vu les conséquences. Eh non, ouais, j'ai perdu, mais bon. C'était un petit peu chaud à rattraper, quand même. Ouais, à 3 kills, je gagnais, bon. C'est sûr qu'avec le bug de l'écran noir, qui m'a fait perdre quelques secondes. Mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, on n'est pas là pour faire du score, tout ça. On est là pour s'amuser, pour essayer un petit build. Bon. Je vais vous montrer la portée de l'arme. La portée est plus faible qu'un fusil à pompe. Non, je pense pas, mais attends, on va vérifier. C'est quoi, on va vérifier. La portée... La portée, voilà, la portée de cette arme est plus faible qu'un fusil à pompe. On va voir le fusil à pompe automatique. Oui. Non, 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 mais voilà. Hein, là, c'est 31. La portée est 31,62. La portée du fusil à pompe, 40-50. Bon. Hein, tu vas te dire que voilà quoi. Ah, c'est chaud quand même. Ok, go pour la troisième partie. On est sur Outpost. C'est plutôt cool. La map est assez sympa. Voilà, on va faire un kill. On va se concentrer. Ouf. Voilà, toi t'étais à moi. Ouf. Ok, pas besoin d'aller récupérer de la santé. Et oui, je t'ai entendu avec mon casque. Hop. Vite, vite. Ouf, ouf, ouf. Alors toi par contre... Je prends de gros risques, je l'ai vu. Wouah. Allez, hop, le petit doublé.
Non, il m'a eu. J'étais en 16-0. Je suis un petit peu éloigné du point de spawn. Ouais, par contre, là, ça va être compliqué. Oui, oui. Ok, là, je vais pouvoir aller récupérer de la santé. Oui, la victoire, allez. Ça, ça part. Ça fait du combien? Ça fait du 21-1. J'étais presque 21-0. Dommage. Ça aurait été sympa. Ah là, j'ai fait une bonne percée. Vraiment, cette arme, genre... Voilà. Outpost, c'est pas mal. C'est pas trop refermé. Les spawns sont pas les uns sur les autres. Voilà, tu te mets dans ton coin. Tu fais des allers-retours de droite à gauche. Et c'est bon, alors ensuite on a Vertigo, ça aussi c'est une bonne map, par contre sur Vertigo les spawns, bon, ils sont un petit peu bof. Hop. Ouais, hop là. Ça, ça part. Ah, dommage. Et ouais, j'étais pas avec mon arme. Lui, il est avec la M4X. D'ailleurs, je vais vous présenter un petit build d'arme pour la M4X. Assez sympa. Assez puissant. Ah oui, par contre, cette arme, elle a l'air d'avoir du mal contre les mecs qui auraient pas mal de santé. Ouais, là, je l'ai mis sur le point de passage. Ouais, 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 ça passe, ça passe. Ouais, ça passe pas, j'aurais peut-être dû aller me soigner. Ah, il a vu la mine. Mais ça se voit qu'il s'est joué. Enfin, je dis ça, si ça se trouve. Alors ça, c'est le malaise. Je sais que ça m'arrive pas qu'à moi, mais genre, tu commences à recharger alors que le mec n'est pas encore mort. Hop, par contre, ça c'est risqué. Hop là. Là, j'en ai vu un. Ah, le reflet du soleil. Oh, par contre, si. Ouais, dommage, dommage. J'aurais peut-être pu l'avoir 16-5. Bon. Par rapport à la dernière partie qu'on a fait, c'est sûr que c'est beaucoup moins bien. Oui, beaucoup moins bien. Et alors, si c'est beaucoup moins bien, je crois. Hop, là, on va la mettre sur ça. Voilà. Ah, le suicide, génial. Alors, j'étais pas au courant que ça explosait la mine. Maintenant, je le suis. Il y en a un qui arrive par là, non? Non, il est mort. Ah, non, non, il est bien là. Voilà, en plus, c'est sur Mako, donc s'il te plaît, arrête de bugger. De bugger, de bégayer, hein, c'est la même chose. Hop là, allez. Ça part, c'est moi qui régale. Là, il y en a un. Bon, bah voilà, c'est la victoire. Bon, moins rapide que la dernière, mais rapide quand même, 21-6. Ça va, c'est pas mal, tranquille. Sachant que le deuxième est à 12, tu vois, moi je regarde le score du deuxième pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Le deuxième est à 12, pour moi, ça va, c'est une bonne partie. Bon allez, donc je vais vous remonter une dernière fois le build. Hop là. Ah, on est déjà niveau 50. Et ben ça va vite. Enfin, ensuite ça va aller plus lentement, mais bon, c'est pas grave. Alors, pistolet mitrailleur en canon, nous avons le Briar Accuracy Barrel. Ensuite, nous avons le Armcom Balanced Muzzle.
Donc en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait 40 de dégâts. Et donc en gros, si on est dans la portée, il faudra seulement 5 balles pour tuer un ennemi à 200 de santé. Donc c'est avec la cadence que l'arme est là, c'est rentable. Hein, ça marche, ça fonctionne. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de la partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait le plus grand plaisir. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.